des personnes qui ne travaillent pas sur le site et qui passent à côté de l'usine. Tout le monde voit que ça a changé. J'ai l'impression que c'est une nouvelle entreprise. En décembre 2018, l'usine Le Bourret, alors détenue par le groupe Arjowiggins, est placée en redressement judiciaire. Pour les employés de Saint-Marc-la-Brière, c'est le choc. Même si il y avait beaucoup de signes, on pensait pas que ça allait arriver aussi, que ce soit aussi brutal, quoi. Je dirais un petit peu comme tous les gens qui subissent une liquidation, hein, on croit que c'est toujours les autres, et puis le jour où ça nous tombe dessus, bah on tombe de haut, on ressent une colère froide, hein, vraiment. Et tout, c'était un peu inquiet de savoir si on allait être pris, par qui, comment, et puis si tout le monde allait être pris, quoi. On se laisse la chance de voir s'il y a des potentiels repreneurs, donc effectivement, il y a des visites, des choses qui se mettent en place, des grands groupes qui viennent nous voir pour potentiellement nous reprendre, qui semblent intéressés. Donc on passe sur des ascenseurs émotionnels où on se dit « Ah, bah là, on va repartir dans un gros groupe, quelque chose de structuré. » Le jour où il faut se positionner, bah, ces personnes-là, rideau, il n'y a plus personne. Donc là, on retombe tout de suite. J'avais bon espoir que ça va repartir, parce que c'est un marché de niche qui fonctionnait bien, avec un vrai savoir-faire. Et le fait que, voilà, on voit que notre principal client, qui était à l'époque CGMP, bah, s'intéresse et va y reprendre, que ce soit une entreprise familiale, qui a une vraie histoire avec la papeterie du Bourret, s'ils y vont, ils y croient. Pour nous, c'était un candidat qui était sérieux, qui avait les reins solides, c'était un client historique du Bourret, donc il y avait une relation assez intime entre les deux entreprises, déjà. Le 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre valide le projet de reprise par l'entreprise CGMP Manufacture de l'éphémère, spécialiste des arts de la table. À partir de cette date, le site alors obsolète va être transformé pour répondre aux exigences industrielles, sociales et environnementales du 21e siècle. Voici l'histoire de sa mutation. Très honnêtement, c'était complètement inconscient de notre part à l'époque. La marche était très très haute. Quand vous faites du converting, vous avez l'impression que vous êtes capable de maîtriser l'amont et l'aval. C'est un métier complètement différent. La papeterie est un métier fondamentalement différent. Alors il y avait 260 personnes sur le site. Nous avons repris 116 personnes exactement. Nous avons repris l'unité de production Watt et pas l'unité de production papier. C'est un métier que je ne connaissais pas. Et on a voulu être certes plus petit, mais faire les choses correctement et être sûr de pouvoir être là dans le temps. Alors aujourd'hui, on a une spécialité très forte puisque nous sommes les seuls à fabriquer de la ouate couleur en France, peut-être 8 en Europe et si on est 10-12 dans le monde, ce sera le grand maximum. Donc on a une vraie spécificité sur la ouate couleur. On a la chance d'avoir un groupe qui est solide, qui nous permet aujourd'hui de faire des investissements et on a dans les cartons pour les 3 prochaines années encore beaucoup de choses à sortir. C'est quelqu'un de très dynamique, quoi, qui a une vision à très long terme et c'est super motivant, quoi. Le premier investissement que nous avons fait, c'est la caisse de tête pour améliorer la qualité du papier. Ça a été accordé rapidement. Tout de suite, on a vu qu'ils avaient envie de se lancer dans l'aventure du papier. Ensuite, on a changé les scanners, effectivement, sur les machines. Et dernièrement, le système d'emballage automatique, complètement automatisé, qui a donc la prise en charge de nos bobines pour les protéger et pour les transporter. Au-delà du matériel technique et des avancées qu'on a pu avoir, il y a vraiment eu des avancées sur le bien-être, je trouve, et je pense, pour les employés. Et puis, avril 2019 à aujourd'hui, on a investi plus de 10 millions d'euros. Sur les dernières années, comme l'entreprise n'avait pas beaucoup de moyens à Arjowiggins Le Bourret, du coup, le budget de formation était assez restreint et donc l'entreprise s'était essentiellement concentrée à faire les actions réglementaires ou sécuritaires et il y a eu très peu de formations de montée en compétences des collaborateurs ou des formations métiers. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un gros manque et qu'il fallait retravailler toute la partie GPEC et donc redonner du sens au travail et redonner les fondamentaux dans certains métiers. Donc les organismes avec lesquels nous avons travaillé sont l'IPC Formation, l'UNEDIS, et l'OPCO 2i Pays de Loire nous a aidé pour tout ce qui était parti financement. Ça a été d'abord d'intervenir avec un diagnostic accompagnement RH, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de manière à faire un point sur la situation, créer des parcours de formation et des passerelles entre les métiers. Et puis dans un second temps, ça a été de participer au financement des actions de formation depuis 2021 dans l'entreprise et particulièrement sur des parcours certifiants. On a d'abord travaillé sur le tutorat pour les managers pour pouvoir redonner une dynamique et de comprendre comment
on encadre un collaborateur, comment on le monte en compétences, comment on le rend à l'aise dans sa mission. Et ensuite, on a travaillé sur les actions métiers des collaborateurs en lançant aussi une première session de CQP pour les aides conducteurs machines et les conducteurs de machines. En termes de volume, depuis 2021, c'est plus de 2700 heures de formation pour un grand nombre de salariés, dont 64 salariés avec une certification au bout. Certificat de qualification professionnelle, bloc de compétences de CQP ou certificat de compétences professionnelles. Comment je l'ai accueilli? Au début, peut-être avec une certaine frilosité, savoir qu'est-ce qui allait se passer exactement. Tout s'est bien passé et le bilan est positif de cette formation. Et puis elle est valorisante parce que j'ai eu une CCPI tutorat. Hein. Donc c'est un diplôme qui peut être reconnu dans plein d'entreprises. Et du coup, nous, en deuxième groupe, on a été plus souples. On avait déjà des bonnes bases, des idées de ce qu'il fallait faire. Et bon, aujourd'hui, je pense que c'est mieux ancré pour les collègues. En fait, on m'a proposé une formation CQP, et principalement sur l'énergie, parce que c'était un sujet sur lequel on avait besoin de ressources que je ne connaissais pas, et ça m'a permis de monter en compétence sur ce sujet. Quoi. C'est comme ça qu'on évolue, en allant chercher des choses qu'on ne connaît pas. Quoi. L'objectif de ces formations est à plusieurs titres importants. D'une part, c'est travailler sur leur employabilité tout au long de leur vie, à savoir que l'entreprise aujourd'hui fabrique de la ouate, mais on a un projet de développement sur la station de désancrage, donc on oriente aussi les compétences vers les projets d'avenir de l'entreprise. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie volonté de la direction de remettre en conformité le site et donc par ce fait de réduire notre potentiel impact sur l'environnement. Où on a développé en fait l'activité à base de papier recyclé. C'est-à-dire qu'on avait historiquement une installation qui était capable de désancrer des vieux papiers. On l'a remise en place, mais notre objectif c'est d'utiliser de plus en plus de vieux papiers, de fabriquer notre propre pâte à papier et d'utiliser et fabriquer des serviettes recyclées. Comme beaucoup de papeteries, on est installé à côté d'une rivière, on pompe plusieurs milliers de mètres cubes par jour. On l'utilise dans notre process, c'est recyclé, c'est réutilisé plusieurs fois. Mais au bout d'un certain nombre de cycles, cette eau est saturée, elle part donc dans notre propre station d'épuration, elle est nettoyée et ensuite on rejette à peu près 92-93% de ce que l'on a pompé. Aujourd'hui, Papeterie Le Bourret investit près de 2 millions d'euros chaque année sur des investissements courants, plus après de gros investissements, donc notamment sur la digitalisation, sur l'informatique, mais aussi sur les outils de production et de process industriels. On a en construction une centrale hydroélectrique sur le barrage qui va produire 1,5 million de kilowatts et d'utiliser l'énergie du barrage pour produire un peu d'électronique. Grâce aux différents investissements, la Papeterie Le Bourret se positionne aujourd'hui comme le leader de la production de ouate colorée. Elle exporte ses ouates dans 41 pays. Le Bourret est aussi aujourd'hui le premier fabricant de ouates recyclées au monde. Le bilan de ces quatre dernières années, positif, instructif. J'ai appris un nouveau métier qui me permet de prendre beaucoup de hauteur sur mon métier de converting et de voir ce qui se passe dans le monde entier, d'avoir récupéré beaucoup d'autonomie, puisqu'aujourd'hui je ne suis plus tributaire d'un fournisseur, je suis le fournisseur, et ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de souplesse. Nous avons gagné de l'argent dès la première année. Le portefeuille de commandes se porte bien. Quand je regarde dans le rétroviseur aujourd'hui, c'est pour moi un succès. C'est une entreprise qui voit dans l'avenir, quoi, qui investit sur le long terme. J'en suis content, j'en suis fier. On a des jeunes qui intègrent l'entreprise, qui ont 18-20 ans et qui aspirent à faire carrière dans nos métiers, dans nos entreprises. Comme disent les anglo-saxons, c'est great place to work. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment une entreprise où il fait bon travail.